Si vous voulez m'encourager, mettez un pouce sur ma chaîne et abonnez-vous et recevez mes dernières vidéos sur la spiritualité, sur le champ de l'âme. Vous savez, je suis handicapé mental et j'essaye non seulement de dépasser mes limites en tant qu'handicapé, mais j'essaye de plus de réussir complètement dans le monde normal. Ce qui est un grand défi par rapport à une forme de discrimination par rapport à certains symptômes que certains ne connaissent pas, ne comprennent pas. Encouragez-moi à continuer dans cette voie. Mettez un pouce sur cette
vidéo. J'ai supprimé beaucoup de vidéos que je trouvais relativement troublantes, qui pouvaient amener peut-être à des problèmes mentaux sur mon YouTube. J'ai mis que des vidéos tout à fait normales, qui ne sont pas des vidéos réservées à des initiés. Donc il n'y a pratiquement aucun risque. Je ferai bientôt une vidéo où je montrerai mes calligraphies, mes dernières calligraphies inspirées de Fabienne Verdier, où je pense avoir dépassé sa conscience, parce que je fais des œuvres qui dépassent l'entendement. Et ça, Fabienne Verdier n'a pas fait des œuvres qui dépassent l'entendement jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, ce que j'en ai vu jusqu'à présent, ça ne dépassait pas ce seuil. Donc je vais me présenter comme un suivant qui a dépassé le maître. Mais voilà, je vous laisse à vous de regarder, à vous de comparer. Je n'ai pas été encouragé par la galerie qui était son agent. Les gens m'ont plus découragé qu'encouragé, alors que je fais un travail qui n'est pas inférieur à ce qu'elle fait. Et ça, je trouve ça lamentable. S'il y a une galerie concurrente à celle de Fabienne Verdier, je veux bien être artiste et participer à cette galerie. Mais je ne travaillerai pas à n'importe quel tarif. Hein, je travaillerai à des tarifs qui seront un sacré pourcentage de ce qu'elle vaut actuellement. Parce que je l'ai dépassée. Je n'ai pas le concept initial, mais j'ai dépassé son concept. Voilà. Je vous laisse et n'oubliez pas de mettre un pouce et à bientôt.